Ok, maintenant je vais vous présenter nos hauts de gamme, donc les SUP Sroka Alpha et Girly, que vous pouvez voir ici. Donc c'est des SUP qui sont beaucoup plus longs. Là, si vous adorez la balade en mer, si vous adorez les longues distances, si vous adorez même la race, parce qu'on a du SUP qui part de 11,6 et qui va jusqu'à 14 pieds, là il y aura tout ce qu'il faut pour vous. C'est de la triple couche, triple épaisseur, fusionnée, donc pas de colle, vous gagnez 20% sur l'épaisseur, sur le poids du total du SUP. Et on a vraiment des SUP qui sont dédiés à l'effort sur la longue distance, qui sont dédiés à la performance. C'est aussi des SUP qui sont légers, qui font 5 d'épaisseur, qui vous rapprochent de l'eau. Donc vraiment, si vous aimez vous faire plaisir en stand-up paddle, et si vous voulez quelque chose qui marche bien, très rigide, dans cette gamme, vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut. C'est un appel à l'aventure avec le design. Vous avez une jolie carte isobarique en haut. On l'avait fait en mémoire du passage du Cap Horn de Bruno Sroka. Et l'idée, c'est de vous faire rêver un peu et de vous faire découvrir de nouvelles choses. Cette gamme, elle est très solide, elle est très résistante. Et c'est pour ça qu'on a aussi décidé de l'adapter pour les professionnels avec les deux stand-up que vous voyez là. Donc il y en a un qui est spécialement dédié aux loueurs, aux écoles, qu'on appelle le school, qui propose donc des poignées en haut et en bas, qui propose aussi une largeur un peu plus conséquente, qui apporte beaucoup de stabilité, mais aussi 4 layers de PVC, encore une fois ce très bon PVC de semi-rigide professionnel, avec une durabilité incroyable, et des sups un peu plus spécifiques, avec un insert de pied de mât pour de la planche à voile, voire des pontets ici pour accrocher votre sup de kayak, et vous permettre de transformer votre SUP et l'adapter à votre pratique. Voilà pour notre gamme Malibu, School, Alpha et Girly.